Bonjour tout le monde, bienvenue à La Plagne. Bah, La Plagne est un endroit que vous connaissez certainement avec la Civil Day qui se court tous les ans, en général c'est fin juillet. Mais je suis pas là pour vous présenter la Civil Day, je suis là pour vous présenter le dernier trail qui vient de se terminer il y a 3 jours à Arbois dans le Jura. Un 46 km, un parcours magnifique. C'est le trail du Cirque du Fer à Cheval et j'espère que cette vidéo qui va suivre va vous plaire. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis bah, moi je vais passer ma récup en allant skier. Voilà. Allez, à plus tard. Donc, bah, nous voilà arrivés. Je viens de récupérer mon dossard. Mon dossard et mon superbe t-shirt. Super joli. Il y a d'avoir une ambiance super top. On est entouré de montagnes qui fait frais. De partir, on en prend déjà plein les yeux. Ouais, ouais. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon, les 3 km on est parti. Et je pense qu'il va être très dur celui-ci. Mais très beau. Magnifique. Forêt top. Voilà ça. Royal. Ah, nous voilà à Pupille. Hein. Au bout de 4 km puissant. Bonjour. Petit village jurassien, magnifique. Joli village, magnifique qu'on quitte. Et là on va rentrer dans la forêt, les plaines. On va se rapprocher tout doucement du fameux cirque de fer à cheval. Que j'ai hâte de découvrir. Depuis que je le vois en photo, ma curiosité augmente pas après pas. C'est magnifique. Oh la vache. Oh les amis. Les amis, si vous voyez ça. Oh, profitez du paysage, c'est magnifique. Waouh. Ah putain, j'ai pas envie de repartir. J'ai envie de me mettre là avec une petite couverture. Bon, j'ai le droit de tirer avec un petit verre de vin rouge. On est un peu dans les vignes, hein.
Ah, c'est monstrueux. À seulement 6 km 300 du départ. Cours dans les vignes avec un soleil radieux, un ciel bleu, il fait super bon. Le temps idéal, l'endroit idéal. Oh, je connais plus d'un qui serait heureux d'être là et qui ne sont pas là. On arrive à 10 km. 1h07 hein, quand même. Voilà. Donc un peu plus de 10 km. 530 mètres de dénivelé. Et premier ravito. Il y a de la bavane. Bon bah pas mal hein, petit ravito, mais il y a tout ce qu'il faut. Enfin d'épices, des pâtes de fruits. Il y a même des à tous les fruits qu'il faut aussi, pommes, bananes. Oh, top. Petit mais efficace de ravito. Un peu plus de 16 km en 1h53 et on a quasiment 700 mètres de dénivelé. On vient de se faire une très grosse partie de course non-stop là, à 6 bornes entre les montées et les descentes, très cassant et physiquement il est coriace. J'entends des cris en bas, je sais pas trop ce que c'est. Des encouragements de dingue. On va aller voir ça. Ouais, on va voir ce qui se passe. Ah, c'est là, tiens. Ah non, attends. Je me plante, non? Non, c'est là, on va. Bizarre. Il y a deux courses. Avec le 10 km, ça. Ah oui, d'accord. Ok, je comprenais pas. Merci. Ouh. Elle veut pas rejoindre. Vous êtes quelle course? Les 22. Les 22, bien. Vous êtes parti pour, depuis 9h30. 9h30. Il y a plus de monde d'un coup. T'es sur les grands, hein? Ouais. Tu filmes tout? Comment? Ouais, tu filmes tout? Pas tout, mais une petite partie. Bon, ben c'est bien. C'est quoi ta chaîne? Bon bah ben c'est pas compliqué. Hein. Tu penses à Game of Thrones, tu remplaces Throne par Trail. D'accord. Et tu devrais te trouver. Facile. J'irai voir. Ton de sort, c'est le. Ok, ben c'est bon. 748. On va vérifier tes résultats. Hein, t'es sur le podium là. Ah ouais, ouais. Ah, vu l'allure, c'est bon. En même temps, il est allé devant, alors. Ah d'accord. Je te laisse monter sur la première marche. Ouais, non, ben moi, je suis très bien là où je suis. Parfait. Ok, allez. Wow, les endroits. On est sur les hauteurs là. Et on va bientôt arriver sur le cirque du fer à cheval. Et c'est vrai que ces endroits sont... Oh là là, regardez, la mousse partout, paradisiaque. On est beaucoup plus nombreux parce que ben en fait les deux courses se sont rejointes, enfin même les trois d'ailleurs. Mais bon, il y a de la place pour tout le monde.
c'est magnifique. Splendide. Je crois qu'on arrive au ravito, 22 km en 2h44. Et dénivelé, à mon avis, ça doit taper 900. 900 mètres de dénivelé. Voilà, c'est bon. Ravito. Et bien sûr, Léa qui est là. Et le voilà, mon coureur. Ça y est, enfin. Ça va? Pas trop long? Ah non, ça va. Ah, ouf. Ouais. Et voilà. Alors, j'ai trouvé mon ravito. Ah putain, je te jure. Je suis désolée. Vraiment désolée. Alors voilà. Tu veux quelque chose ou pas? Ah oui, je vais. Voilà. Donc, attends. Assistance est là. Donc 900 mètres de dénivelé, 2h45 quand même, pour 23 bornes. 22 bornes. 22 km. Donc il me reste. Combien il me reste, assistante? Assistante, il te reste 24 km à faire. 24 km à faire. Et avec un petit peu plus de 1500 mètres. Ah, il y a 1000 mètres de dénivelé. 1100 mètres de dénivelé. Il est plus rapide qu'avec son assistante quand il court. On a le belvédère là, c'est ça. Donc le fameux. Ouais, c'est beau. Fer cirque à cheval, on y est. Voilà. Fameux cirque. Alors qu'on va monter là-haut. Et on va avoir un point de vue juste phénoménal. Ce qui fait la beauté du. Toute la beauté du Jura, c'est ses reliefs. Vraiment unique en France. C'est un véritable bonheur, un privilège de pouvoir être ici aujourd'hui avec un temps comme ça, regardez. Bon, voilà, je suis heureux de vous présenter ce que je suis venu chercher aujourd'hui, le cirque du fer à cheval. Et regardez, ça vaut tout l'or du monde, ça. Hop là! C'est juste splendide, on se sent tout petit face à ça. Et on voit toutes les le relief du Jura avec cette forêt de sapins. Un endroit juste fabuleux, je suis vraiment super content d'être ici aujourd'hui, je peux vous le dire. Je suis vraiment heureux comme un petit enfant. Ah putain, alors voilà, alors je suis désolé, hein, mais je vous dis en direct ce que mes ressentis, c'est aussi ça, le trail. Je viens d'avoir un cauchemar là, je sais pas si vous pouvez voir les éoliennes là-haut. Alors ça fait débat en ce moment avec les présidentielles, hein, mais je veux pas te faire politique, mais putain, ça gâche quand même tout. Hein. C'est quand même affreux. Enfin bon, je vais passer là-dessus parce qu'on est quand même sur un endroit juste. Regardez-moi ça, les enfants. C'est juste trop beau. Je vous présente le Jura. Et voilà. Donc nous, on devrait aller jusque là-bas, redescendre là-bas, remonter. Enfin bref, il reste 23 petits kilomètres.
Allez, j'y vais, hein. Parce que si je continue comme ça, je vais mettre 20 heures pour faire mes 46 bornes. Allez, hein, bisous. Bon, là, je vais faire une offre, là, une offre d'achat, hein, parce que l'endroit est, oh putain, juste dingue. Et la vue sur quoi? Bah, sur le cirque derrière. Oh, c'est magnifique, là. Pas ce que c'est, mais... dingue. Les endroits de fou, ici. Ça y est, je viens de passer à l'intersection du séparation entre les deux courses du 36 et du 22. Donc là, à mon avis, je vais me retrouver tout seul pendant un petit moment. Hein. Enfin, presque tout seul, je pense. Bon, là, il n'y a pas intérêt à chuter. Hein. Ça tombe à pic. Les oiseaux, la nature. Voilà, mon chemin de croix, il est là. Bon, vous voulez faire du tourisme avec moi en trail. Par contre, si vous souhaitez faire du temps ou un temps, c'est pas possible. Parce que moi, dès que je vois un paysage, je m'arrête. Mais regardez-moi ça encore. On se croirait dans le gouffre de M, le Seigneur des Anneaux. Ah, si je me trompe pas, j'espère pas, on doit être sur les tracés du GR59. Donc un tracé mythique, chers amis. Bon, petit message personnel pour mon frère et Laurent, alias Perrin, avec leur chaîne Vinyl Club, qui tourne à max sur YouTube. Eh ben, je cherche le Predator et je le trouve toujours pas. Pourtant, je pense que c'est sa forêt. Mais, introuvable. En même temps, il vaut mieux pas le croiser, je pense. Des endroits comme ça, ça me fait penser à des films. Je me souviens d'un film que je suis allé voir quand j'étais gamin avec ma grand-mère et d'ailleurs aussi mon frangin, avec Gérard Lanvin et le regretté merde. Ah, je le retrouve plus. Bref, je vais le retrouver tout à l'heure. Les spécialistes, hein, et le début du film, ça commence sur une falaise comme ça. Ils sont accrochés l'un avec l'autre. C'est impressionnante. Ça me rend penser à ce film-là. Les spécialistes. Avec Charles Lanvin et... Ah, comment il s'appelle? Il est décédé malheureusement. Grand acteur. Ah, je vous remettrai un lien sur la chaîne. Ça y est, j'ai retrouvé. Bernard Giraudot, Gérard Lanvin et Bernard Giraudot. Putain, désolé Bernard, j'ai oublié ton nom. Voilà, en courant et en réfléchissant, on se rappelle des choses. Et hop là, on descend dans le creux. Maintenant, le prochain gros moment de cette vidéo, ça va être la belle cascade.
qui est vraiment un délice aussi. En tout cas, sur les photos, ça donne envie. Ouais, c'est sympa aussi ici. Hein. Regardez, le petit village top. Tiens, oh là là, c'est beau. Putain. Bravo, bravo. Vous êtes bien là? Que c'est beau. Bonjour. Rue de la Cascade. Ouah, c'est bon signe ça. Oh mon Dieu. Ah, c'est monstrueux. Regardez, attends, je m'arrête un peu là. Hop. Ah, il était tout là-haut. Là, on voit la croix là. Tout à l'heure, il était tout là-haut, on est redescendu. Mais nous voilà dans le creux du... Dans le creux. Eh, plus impressionnant une fois que tu es en bas. Hein. Eh, magnifique. Attention, grand mouvement, encore. Regardez-moi ça. Ah là là. Ah mes amis. Oh bah les amis, regardez-moi ça. Ouf. J'ai failli charouiller. Et bon allez, faut se remettre un peu à la course parce que là j'ai du mal à courir. C'est trop beau. Bon allez, j'y vais parce que... Mais je pense que là... C'était le summum. L'eau a l'air d'une pureté. C'est complètement là. Regardez comme elle est transparente. Bon, Jules et Arnaud, j'ai une petite pensée pour vous parce que vous êtes en train de bosser au luxe là. Et il y a un terrain qui vous attend ici, là, regardez. Elle est pas trop mal pour taper la balle. Je pense que vous le voyez bien. Un bon vieux cours de tennis. En plein dans le cirque. Et on passe même juste... Oh, regardez là-bas, encore. C'est qu'un paysage ici. Bon, je sais pas si Nadal viendrait s'entraîner ici, mais... pour le paysage, peut-être. Ça aussi, la beauté de ce trail, c'est que... tu peux te retrouver en forêt, en plaine, et aussi dans les petits villages. C'est vraiment... c'est vraiment ultra varié. C'est magnifique, c'est richissime. Alors par contre, là, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Fagnon rouge là, bah c'est par là. Ah, j'ai failli louper mon chemin. C'est un petit village, qu'est-ce que c'est joli. Ah, j'ai pas le nom du village, c'est bien dommage. Les gens se sont bien là. Bon, petit message perso pour mes filles, hein, Héloïse et Pauline. Ah, toujours mes petites pensées pour vous les filles, hein, dès que je vois des chevaux. Et des gros toutous. Alors on a été avertis au départ, ils font beaucoup de bruit mais ils sont très gentils. Bonjour. Ah oui, vous êtes beau vous. Et toutou. Magnifique. Alors regardez, je vous montre juste derrière aussi.
Bon, bah, je viens de m'arrêter un petit quart d'heure. J'ai discuté avec le propriétaire des chevaux là, et des chiens. Et il est là depuis 5-6 ans, sa femme est née ici et c'est vraiment un petit paradis, c'est ce qu'il expliquait. Et les habitants apparemment ici vivent très vieux. Ils vivent très vieux. Et ça peut largement se comprendre parce que comme il expliquait, l'air est pur, il n'y a pas de stress. Ils vivent dans des conditions optimales et ben voilà. Résultat, bah, espérance de vie, elle grimpe. Évidemment, c'est tellement logique. Et regardez où je suis encore là. C'est magnifique. Bon là, il m'a prévenu, on va encore en prendre plein les yeux. Hein. Je viens le faire. Et regardez ce qui nous attend. Ils savent te mettre dans l'ambiance. Hein. Ouais, parce que là, ça commence tout doux, puis on va monter tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. Donc, oh putain. Ah oui, d'accord, ok, je comprends, regardez. Ah voilà, c'est un mur. C'est un mur. Là, c'est un mur. Il n'y a pas un mur de... Oh, je dirais... Ah oh, bien... 800 mètres, 1 km. 800 mètres, je pense. Putain, ça monte sévère. Allez, je vous laisse parce que je pense que... Le cardio... Me voici en haut. Tiens, j'ai mal aux cuisses. Et hop. Ah non, on n'est pas en haut. Enfin, on est en haut, mais pas tout en haut. Allez. Bon, cette fois, ça y est, on est arrivé tout en haut. Oh putain. Oh. Elle décalque celle-là. Ça bouchonne, ça bouchonne, ça bûcheronne. Quand je vous dis que on passe notre temps à changer de décor, c'est ça qui est dingue ici. Regardez, hop, regardez-moi ça. Majestueux, majestueux. De fou. Truc de... Ah puis il fait beau, il fait bon. On a de la chance parce que on vient de passer un hiver de dingue. Il y a quelques jours près, on était encore dans une température négative, la pluie. Et là, on a ressenti, je dirais, 14-15 degrés avec le soleil qui tape. Un petit vent, qui a un peu de fraîcheur. Des odeurs de printemps, ça vous pouvez pas le sentir évidemment. Mais... On est pas mal. On est pas mal. Allez, je repars en courant. Et donc j'en suis à 30 km 500. Je dis pas le temps, hein, parce que aujourd'hui le temps il compte pas. Hein, parce qu'aujourd'hui je fais du tourisme. Mais je vais vous le dire quand même. 86, allez, c'est vraiment pour les curieux. Hein. Bon, allez, j'y vais. Une petite portion enfin presque facile. Et on se retrouve à Revito où m'attendra évidemment Léa. Léa qui est déjà sur le pied de guerre. Et ça sonne, et ça sonne. Allez, go. Oh putain, la dernière côte là, elle m'a tué encore. Sinon, la deuxième partie, la deuxième partie du circuit, calme. Hein. Chers amis. Putain, j'ai des cuisses en acier. Hein. Nom de Dieu! Bon, quand je commence à péter un plomb, vous connaissez, en général, c'est pas mon signe. Oh là, paysage de fou. C'est les paysages que j'ai vus uniquement dans la vidéo de mon reporter préféré sur le trail. Il a sa chaîne YouTube, je suis sûr que vous la connaissez certainement, c'est Zinzin Reporter. Et quand je voyais ces vidéos, j'ai dit putain, mais est-ce que je verrai un jour ça? Il m'a regardé. Mais oui, Zinzin Reporter. Je les vois aussi. C'est magnifique. Ce qui est génial en fait, c'est qu'en fait, t'as une forêt comme ça, tu as une petite forêt
un peu magique, je trouve. Il y a des couleurs un peu partout, du gris, du vert, et d'un seul coup tu vois ça. Alors, l'étoile est pas très loin, je pense. J'entends les tambours. Tambour à fond la caisse. La fiesta. Oh, regardez encore. Elle est là. Elle est partout. Incroyable. Elle est partout. Ah oui, elle me suit. C'est la folie. Je sais pas. Coucou. Je suis fatigué. Hey, quel endroit de fou. Bon, allez, ravito pas loin. Oh là là, les paysages de dingue, t'as vu? Allez, on y va ensemble en courant, vas-y. Et t'as pas mal, allez, c'est dans la tête. T'as fait la meuseuse il y a 15 jours. Et oui. Voilà, on les entend de loin. Hein. Regardez-moi ça, une liane. Ah putain, je kiffe ici en fait. Je trouve ça dingue. Elle est affolante cette forêt. C'est trop beau. Et la grosse descente, hein, bah, de toute façon, quand tu as des grosses montées derrière, tu as des grosses descentes. Descentes, pardon, qui fait que bah, tes cuisses, tu vois, là, c'est mes cuisses, et bah, elles souffrent là. Hein. Hop, elles souffrent le martyre, mais elles tiennent. Animation sur le ravito de l'eau. Comme d'habitude, on est calé. Génial. Merci. Merci. Abuse. 32 46, encore intersection. Bon, oh, 37 km. Excusez-moi, là je peux vous dire qu'on s'est fait une montée de fou furieux. Bah, c'est simple, on était tout en bas dans le cirque et on se retrouve tout en haut. Donc là, dernier ravito. Solide, profiter pour faire le plein au niveau de l'estomac. Et puis, des fois, le sirop de menthe, ça passe très bien après une course, enfin en fin de course. Je sais pas pourquoi, ça marche toujours. Bon, et ben, il nous reste 9 km. On a encore du dénivelé, je sais pas combien, j'en sais rien. 5h40 de course, 7 bornes. Allez, c'est parti. Il reste 6 km. Et putain, ça ne fait que de monter depuis la lurette. Et là, enfin, on a une descente. Mais quand tu vois la tronche, la descente. Regardez. Tu veux dire que t'as intérêt à serrer les cuisses là. Ouais, bon, allez. Bon, moi, j'avoue que là, je suis un peu dans le rouge. Hein. J'aime beaucoup même. Elle est montée, elle monte. Mais bon, l'arrivée n'est plus très loin. Et ça, c'est bon. Dernier petit spectacle, hein, parce que
ce n'était pas fini. Le paysage et surtout la visite guidée du secteur. On a la chance de passer un, écoutez, regardez, un beau viaduc. Hop. Je pense qu'on va passer en dessous. Oh. Eh oui, exceptionnel. Qu'est-ce qu'il fait Anthony quand il voit des choses comme ça? Eh ben, il s'arrête, il sort son téléphone pour prendre une photo. Bon bah, il nous reste bien 2 km, on arrive à la fin. Et j'ai avec moi bah, Cindy, voilà. On fait un petit bout de chemin ensemble depuis bien 5-10 bornes. Hein. Voilà, bah, Cindy est du coin hein, quand même. Hein. Oui. Je crois que tu habites dans le coin. C'est ça, pas très loin. Voilà, elle connaît bien la région. Et bah d'ailleurs, tu peux nous dire un peu tes impressions sur ce trail? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il est très varié, plutôt exigeant quand même. Et puis on a de jolis panoramas. Oh bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr, le panorama, il est... J'arrive même plus à parler. Voilà, j'avoue que je suis un petit peu dans le rouge moi. Hein. Là, depuis une heure environ, ça va plus très bien. Bon, on va terminer ensemble Cindy. Allez, c'est parti. Top. Puis on se croisera peut-être aussi à la Vanoise. Au mois de juillet, il faut quand même rappeler ton palmarès, hein. La CCC l'année dernière, ensuite bah, la TDS, un TD... morceau. Un morceau, ouais, la TDS. Ah, c'est bien, top. Allez, on termine, il nous reste. Eh ben, on arrive, regardez. Super. Ah, une montée. Une montée. Et on est plus à 1000 mètres près, hein. Ah, c'est beau. Ouais. Ouais. Écoute. Ouais, d'accord. L'arrivée est là, super. Oh là là, là ça sent pas l'ail, mais ça sent bon quand même. Ça sent bon quand même. Allez, c'est la fin. Allez, 300 derniers mètres. Fini, arrivé au bout. Ah là, si, merci beaucoup. On le fait pas en marchant ça. Hein? Non, non. Ah non. Hein? Ah moi aussi c'est. Là, il est temps de s'arrêter. Alors, oui. Nous avons Alain Chant, Sylvie Burdin. Bien sûr. Bravo. Bien joué. Et voilà pour ce trail dans le Jura, à Arbois, là où je suis. Donc à chaud, c'est juste magnifique. Hein. C'est pour moi le trail coup de cœur, extrêmement exigeant, quand même très 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 dur, évidemment. Mais bon après, c'est sûr qu'on a eu de la chance avec la météo. Hein. Parce que c'est tout de suite, à mon avis, différent et plus dur hein, si tu as de la pluie et tout le reste, évidemment. Mais mis à part tout ça, avec la météo d'aujourd'hui, c'est vraiment juste merveilleux. Le Jura, j'adore. J'en ai pris plein les yeux, en tout cas, aujourd'hui. Je vais m'amuser à faire cette vidéo, ça va être top. Allez, place là-bas, maintenant, à la bière. Hein. Réconfort. Hein. Oh, oh bah, j'espère que la vidéo vous a bien plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis rendez-vous à dans 2 semaines en Alsace, à Niederbronn-les-Bains pour un 80 km cette fois. Allez, à bientôt !